La 9e édition du Forum de Dakar sur la paix et la stabilité. Un forum présidé par Macky Sall. Cette année, l'instabilité institutionnelle et la multiplication des coups d'État sur le continent ont été au cœur des discussions. La correspondance à Dakar d'Eliman Daou. Aux côtés du président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani et du premier ministre de la Guinée-Bissau, le président Macky Sall a voulu, dans son discours, lancer un appel pour la paix qui, selon lui, est indispensable pour le développement du continent africain dans un contexte de multiplication des putschs militaires, notamment en Afrique francophone. Le chef de l'État sénégalais a tenu à lancer un appel aux militaires. Je ne sais pas ce qui se passe avec nos frères militaires, mais il faut quand même parler à vos camarades. L'Afrique a besoin de pause pour travailler pour le développement. Pourquoi tous les matins, on nous annonce une mutinerie des militaires qui prennent une base ou qui vont libérer les prisonniers qui, non, on ne peut pas développer l'Afrique dans ces conditions. Et toutes ces perceptions contribue à renchérir le crédit en Afrique. Parce qu'on va dire, non, mais là, vraiment, il y a tous les jours, il y a des coups d'État. Comment allez-vous investir dans ces pays? Le forum qui s'étale sur 2 jours sera également l'occasion pour les experts en matière de sécurité d'échanger sur divers domaines concernant le continent africain, notamment sur la cybersécurité. Il s'agit du dernier forum sur la paix et la sécurité organisé par le président Macky Sall, qui passera le témoin à son successeur après la présidentielle de février 2024 au Sénégal.